en championnat. Pour la garde, Duveux Ngon. Il est champion d'Europe en titre en double, un titre qu'il a obtenu l'été dernier. Il a été demi-finaliste en simple à cette même compétition. Il a été champion du monde en double en 2021, médaillé de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2019. Il a remporté à 4 reprises la Champions League avec ses 2 précédents. Il est numéro 2 national, Christian Carlsson. En 2012, il était demi-finaliste des Jeux Olympiques en simple à Athènes. En 2013, il était champion du monde en double. Il a inscrit son nom dans de nombreux pro tours qu'il a remportés. Il est, vous l'avez compris, un monument dans le monde du tennis de table. Merci d'applaudir Shuen Shiwan, numéro 1 national. Il a été champion du Danemark en simple en 2018 et 2019. Il est le seul Danois à avoir été champion du Danemark dans toutes les catégories, minime, cadet, junior, U21 et senior. Il est numéro 20 national. Merci d'applaudir Anders Lind. Il a été champion d'Europe en moins de 21 ans en simple en 2021, champion d'Europe junior en simple en 2019. Il est champion de Grèce en titre en simple. Merci d'applaudir Ioannis Skouropoulos, numéro 57 national. Il a participé à 5 Olympiades, a été 7 fois champion de son pays, la Roumanie, accueillant le coach de cette équipe, Adrian Crisan, pour Jura Moré Tété. Il est membre de l'équipe nationale de l'Inde, numéro 1 dans son pays. Il a été 2 fois médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth par équipe en 2018 et 2022, médaillé de bronze aux Jeux asiatiques en simple en 2018, vainqueur du Poteau d'Espagne en simple en 2017. En France, il est numéro 9 national. Merci d'applaudir Satya Ganasekaran. Il est membre de l'équipe nationale de Finlande, numéro 1 dans son pays. Il a été vainqueur du Pro Tour du Nigeria en 2016, quart de finaliste des championnats d'Europe en double mixte en 2016, quart de finaliste en 2021 du Pro Tour du Qatar. Il est numéro 14 national, Benedikt Olav. Il est membre de l'équipe nationale de Tchéquie, numéro 1 dans son pays. Il a été quart de finaliste des championnats d'Europe en simple et par équipe en 2021. Il s'était brillamment qualifié pour les derniers Jeux Olympiques de Tokyo en remportant un tournoi de qualification internationale. Il est numéro 23 national. Merci d'applaudir Lubomir Jean-Caric. Il est numéro 2 dans son pays, le Mexique. Il est le responsable technique de notre club, ainsi que le coach de nos différentes équipes, Salvador Uribe. Les arbitres de cette rencontre, Monsieur Nicolas Harel, qui nous vient du département du Rhône. Et Monsieur Jean Robin, qui est du département de l'Indre. Ceux qui suivent les compétitions internationales, la semaine dernière se jouait la Coupe d'Asie de tennis de table en Thaïlande. Satya revient de cette compétition qui se tenait à Bangkok. Lim Jung-un a réussi l'exploit d'éliminer en quart de finale le favori de l'épreuve, le chinois numéro 3 mondial, Wang Chuqing, puis ensuite le numéro 2 japonais en demi-finale. Il s'est incliné en finale contre le numéro 4 mondial, le japonais Arimoto. Jamais un joueur de notre club avait réussi à ce jour un tel exploit. Nous féliciterons Lim à son prochain retour dans le Jura, et ce dès le mois de décembre.